On se retrouve donc sur notre partie avec le TFC. Nous sommes donc le vendredi 26 octobre, pardon. Et ça change un peu. Pas de PSG en prime time le vendredi soir. C'est un OM Monaco. Alors, je vous avoue, je suis un peu pour l'OM. Parfait. Parce que Monaco, ils sont, voilà, à notre portée. Donc, 5-1. Et Zagadou. T'es sous contrat avec l'OM. Mais putain. Parce qu'en fait, lui, c'était. Ah voilà, ah oui, formé au PSG. Il avait été recruté par Dortmund, comme tout beaucoup de jeunes du PSG qui partent en Allemagne. Et finalement, l'OM l'a récupéré. Putain, cette recrue. Il a un super niveau, il a 19 ans. On va l'observer, on sait jamais. Il est en fin de contrat avant 2022, on a le temps. Ouais. Et donc, j'ai pris la décision de faire tourner sur ce match. Alors attendez, c'est la journée des supporters, donc les places, si j'ai pas de bêtises, sont bradées, je vais vous montrer ça. Voilà. La rencontre de Ligue 1, Conforama, opposant le Toulouse FC à l'Angers SCO, l'Insanien, a été choisie par les dirigeants du Toulouse Football Club pour l'organisation d'une journée des supporters afin de faire connaître l'équipe et d'attirer de nouveaux supporters. Les riverains peuvent retirer des billets gratuits, ah carrément gratuits pour ce match. Donc on va complètement faire tourner. Je vais peut-être laisser juste le milieu, et encore je suis même pas certain. Mais tout le reste va jouer. Va tourner surtout. Et même, je vais vous dire plus. Je regarde les dates. Ouais, dans cet épisode, on va se faire deux matchs. On va se faire Angers. Ensuite, on va se faire le troisième tour de Coupe de Ligue contre Niort. Avec l'espoir que mon équipe bis performe et que je puisse la reconduire contre Niort. Donc, Sanogo, ça nous ferait du Coulouris. Gradel, ça va être du ICK. Ah, mais il peut pas jouer encore. Donc, tant pis alors. ICK en attaque. Ici, ça va être du Boisgard. Ici, ça va être Moubélé. Peut-être le milieu centre, je pourrais pas faire tourner tout le monde. Est-ce que c'est bien grave? Driss Khalid, tu vas venir sur le banc. El Mokedem aussi. Bon, Goycochea, on va pas faire tourner. Au milieu centre, j'en suis satisfait, on va le laisser, je pense. On fait surtout tourner l'attaque en fait. Toi t'es blessé, ben. Ok. Et Oliveira en fait. Je m'attendais pas à ce que mon attaque soit si performante. Sauf que si je veux le mettre un terme au prêt, c'est pas possible. En dehors d'une période de transfert. Donc il faut qu'il attende encore janvier pour partir. Je le ferai certainement partir parce que j'en ai pas l'utilité. Mais pour l'instant, on est obligé de le garder, le pauvre. C'est de ma faute, j'aurais pas dû le prendre, mais que voulez-vous? Ok, je pense qu'on est bien là. Oui, c'est pas grave, ils sont en manque de temps de jeu, mais justement, c'est pour ça qu'ils jouent. On a les faveurs des médias en ce moment, il ne faut pas que cette pression supplémentaire ait un impact sur votre prestation. Voilà. Les défenseurs, par contre, on va dire que vous pouvez faire beaucoup mieux. Et les attaquants, on croit en vous. Ah oui, pas de pression. Écoutez avec intérêt, super. Allez, on est parti pour ce match contre Angers. Il faut le réussir, normalement le stadium est. Bon, il est pas plein, hein. Ouh non, il est loin d'être plein. Mais il y a un peu plus de monde que d'habitude. Je crois qu'on a vendu. Il fait 38 000 places. Je crois qu'on a vendu, je veux pas dire de bêtises, mais un truc comme 6 000 abonnements. Enfin, c'est rien du tout. Ouh, Ferrat, putain. Il a fait une percée. Et donc, corner pour Angers. Ok, j'ai eu peur. Non, c'est coup franc pour nous. Je crois qu'il y avait un penalty. Privilégier le court, pas forcément. Par contre. Non, mais c'est de chance. Par contre, je vais faire ça. Moubele, tant pis, t'es pas tip top à droite, mais on va faire ça comme ça.
Ailier intérieur. Ailier, oui. Et on va faire ça comme ça. Meneur de jeu avancé attaque, voilà. Et toi, tu es un milieu, sentinelle. Moubele qui l'envoie à droite sur Scylla, Coloris non, Bostock, Sangaré. Allez les gars, putain, faudrait égaliser rapidement là, ce serait bien. Et faute de Pierrick Capel, qui donne rien du tout. Si, un coup franc pour ICK, ou c'est pas dégueu, ça va. Est-ce que j'ai remis, je pense pas que je l'ai fait. Ouais, voilà, arrêtez de jouer le ballon dans la surface, faut vraiment que je le fasse en dehors des matchs. Dédoublez pas sur les côtés. Et contrer. Et on est bon. Allez, on les encourage. C'est pas grave, les gars. On va presser Mangani si tu veux. Mais surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les forcer à faire des erreurs. On va presser tous les centraux. Intensité du pressing, oui. Forcer à jouer à gauche. Et alors on y va comme ça. Allez, une action pour nous, Scylla. Pour Coloris, Coloris pour Moubele qui déborde. Centre et but d'ICK, magnifique, magnifique, magnifique. Ah, c'est cool ça, je suis content, c'est mon équipe entre guillemets bis. Et égalisation, donc parfait, parfait, parfait. Ils ont mis du temps, on va dire qu'ils ont mis une demi-heure à rentrer dans le match et là ça va mieux. Ah putain, Sangaré, allez. J'ai pas mis Bodiger, ouais, j'aurais pu le mettre à la place de Sangaré, Bodiger. En milieu sentinelle, il aurait été bon en plus. Allez, Angers qui attaque, Pierrick Capel. Pour Baptiste Guillaume, ça va, ça va, ça va. On les tient. Encore le même schéma. Capel qui écarte sur Mangani. Adoma, Capel, ça revient en centre pour Ndoye. Ndoye, parfait, parfait, parfait. On les a muselés. Alors on va leur en demander plus avant la mi-temps, ce serait bien d'en marquer un deuxième. Allez, gars. Contracture un inducteur pour ICK, ça m'embête. Du coup, est-ce que je le laisse? Non, on va le laisser. On va leur dire qu'ils sont meilleurs. On n'est pas mauvais du tout, et si vous continuez à travailler dur, on s'imposera. Ouais, allez les gars. Boisgard, tu peux faire mieux. Voilà. ICK, je suis content. Voilà, allez. Allez, on en prend plus, c'est parfait. C'est pas plus compliqué que ça. Putain, les gars, vous êtes des défenseurs stricts. C'est ballon, long ballon devant, j'en veux pas. Vous jouez avec Sangaré ou avec Bostock, mais... on va enlever ça. Et ouais, on va le faire comme ça. Histoire que le ballon passe un peu plus souvent par Bostock et qu'il puisse s'orienter à droite ou à gauche. Bon, la défense, je suis content. J'ai mis Martinez. Ça change rien du tout. Ça continue à être à peu près au même niveau. Donc ce qu'on va faire, c'est que notre petit CK, il s'est fait mal. On va le remplacer et on va faire rentrer El Moukedem, qui va être un ailier intérieur. Alors oui, je sais. C'est pas un milieu droit, c'est un milieu offensif droit, mais ça va le faire. Et toi, t'es pas un attaquant de pressing, t'es un attaquant avancé, voilà. Est-ce que toi, je pourrais pas te mettre même attaquant retrait? Ouais. Je pense que ce serait plus utile. Allez, on en demande plus. J'aimerais faire rentrer de risque à Lid aussi. Peut-être pour Moubele ou pour Coloris, parce qu'il sait jouer faux 9, je crois. Ouais, je crois. Donc ouais, Diris Khalid et Bodiger pour Sangaré, allez. C'est la 70e.
Ah, je t'ai mis attaque en retrait, non, attaque avancée. Toi, Driskelind. Ouais, tu sais jouer x9. Et on a dit Bodigé en sentinelle. Non, pas Gen Choji. Bodigé, voilà. Allez. Là, on est bon. On va augmenter le rythme encore. On va passer dans les espaces. Relance sur les flancs, oui. Elle perd du ballon, fait un contre-pressing, ok. Attends, on va mettre un peu plus la pression. Ah, il reste un quart d'heure, on peut le faire là. On va jouer même offensif. Ah oui, Letcher, pourquoi il tire les coups francs? Parce qu'il a un 15, je crois, en coups francs. Faudrait vérifier. C'est 15 ou 16 même. 15, ouais, voilà. Tire de loin. Ouais, non. Je pensais qu'il les tire en force, mais non. Allez, attaquant intérieur attaque. Et toi, je veux que tu m'envoies de longs ballons. Décroche, ouais. Monte. Ok. Toi. Plus direct, ok. On est bon. Prends plus de risques sur les passes. Centre davantage en profondeur au deuxième. J'aurais dû le faire avant, ça. Je pensais que c'était fait, en fait. Reste excentré, monte davantage en profondeur au second poteau. Tu prends plus de risques, tu tires moins souvent et tu centres davantage, ok. Allez, allez les gars, putain on domine en plus franchement, on se tire, ils en ont seulement 4. On a fait moins de fautes, ils ont haché le jeu à mort. Allez, on va l'arracher cette victoire, on y croit. Portez-vous à l'attaque. Allez, dégagement pour Angers. Scylla qui récupère. Allez, René. T'as dit de dégager sur les côtés. Voilà. Donc il obéit bien aux consignes, c'est cool. Ouh, bien, bien. Hector qui. Ouh, ça va. Hector qui dévie la balle. Non mais. Les gars, on se concentre là. Allez. Bodigé. Pour Bostock, bien. Moubélé, bel appel. Pour Driskalid qui centre. Oh non, c'est pas possible. C'est dévié au dernier moment. Il restait 10 secondes. Boisgard. Ah, ça va être la fin. Bon, match nul. C'est pas grave. Ça me va. Vous avez fait un bon match, les gars. Ouais, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Beaucoup de choses positives à retenir. Et donc, ne vous reposez pas trop. Malheureusement, le match lui-même s'est révélé décevant. Les dirigeants doutent que l'initiative ait un impact positif sur le nombre de spectateurs à venir. Ouais, c'est dommage. Parce que vous allez, donc, je disais, ne vous reposez pas trop parce que vous allez jouer contre Niort. Donc, ce qui fait qu'au classement, on est toujours 7ème. Bon, ça se resserre un peu. On voit qu'avec une défaite, on peut passer 11ème, ouais. Et on va jouer à Saint-Etienne, donc. Alors, renouer avec la victoire rapidement. Toi, je vais pas t'utiliser, donc tu peux jouer avec les U19 tout le temps. Nelson Oliveira, c'est la même. Goicochea, pareil, le deuxième goal, tu peux jouer tout le temps avec les U19. Et vous, c'est bon. Ouais, tu progresses pas trop, mon petit Asanogo, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Alors, la Coupe de France, c'est les premiers tours. Et donc, en Ligue 1, Nantes a fait un nul, c'est cool. Bon, Lyon, j'ai l'impression qu'ils sont lancés là, ouais. Marseille, on voit les formes à droite, là, c'est pas encore ça.
Et ah, Saint-Étienne qui perd, waouh. Ils ont que 2 victoires en 10 matchs. Pas énorme, hein. Bon, nous non plus, on n'a pas énormément de victoires, mais on a le double quand même. Et Lille? Lille, vous étiez en bas. Ah, mais c'est votre première victoire, Lille. Ah bah, ça va vous faire du bien. Putain, il y a Yacine Benzia, j'adore ce joueur. C'est un petit Benzema en fait. Ouais. Si Lille descend, il va y avoir des affaires à faire, justement. Voilà, donc Farke, c'est l'entraîneur de Norwich qui me dit que on avait dit qu'il serait titulaire, mais c'est une solution de remplacement. Le dernier match, il m'a dit il est dans la rotation. Bientôt, il me dira il joue pas du tout. Donc voilà, j'ai des observations. Lui, mais il est pas intéressant, pardon. Mokoena, il pourrait être très intéressant, je pense. Ouais, décision, détermination. Et il coûte pas cher. Voyons voir. Il me reste un peu de budget. Il me reste un tout petit peu de budget. Est-ce que je peux ajuster? J'ai combien de masse salariale? Ah oui, je pourrais ajuster. Histoire d'avoir. Ok. Ouais, Mokoena, il joue à Super Sport United. À 21 ans. Ah ouais, il m'intéresse vraiment ce joueur. Il a une bonne qualité de passe, de tacle, de tir de loin, il est correct en vision du jeu. Enfin, c'est le milieu axial que j'aime, on va dire. Il manque un peu d'endurance, c'est un peu dommage, mais on va lui faire une offre. On va t'offrir le double de ce que tu vaux. Je pense pas que ce sera suffisant, mais on sait jamais. Dans les clauses, on va ajouter un pourcentage à la revente. Donc, c'est-à-dire qu'on revendra le joueur, le club touchera 35% de cette somme. Après 10 matchs en équipe d'Afrique du Sud, on vous filera pardon, 1 million et puis on va proposer ça comme ça, on va voir si ça passe. Ok, et la Nantes. Style recommandé Tiki-Taka, ouais. Pas forcément. On va plutôt faire une préparation de match important là, parce qu'il y a 2 matchs qui arrivent. Si on réussit ces 2 matchs derrière, on souffle un peu quand même. On est un peu moins sous pression. Allez, plus que 2 jours. Je vais reconduire la même équipe. Je pense qu'ils peuvent largement gagner ce match. Oh, 17 ans, Ismaël Camara. Le Red Star, donc il devrait pas valoir très cher, c'est ça? Ouh, il vaut rien même. On va l'observer, il pourrait être intéressant. Alors, je mets recruteur en Belgique. Ouais, il y a des talents en Belgique, mais voilà, on n'a pas l'argent. Non, toi t'es mauvais. Quoique t'as 17 ans, non? T'es pas mauvais. Inspiration, vision du. Non, non, t'es même. Je t'ajoute à la section, on sait jamais. Toi. Jérémy Gélin. Je te connais pas, mais. Wow. Tu peux être intéressant. On va t'ajouter aussi à la sélection. J'aime bien faire ça, ajouter à la sélection le joueur qui potentiellement pourrait m'intéresser. Au moment des périodes de transfert, je vais dans cette liste et je pioche ce qui m'intéresse. On va chercher des défenseurs, donc vous voyez. Suisse, Belgique, ils font des propositions. Après 2,5 millions pour un joueur comme ça, non, jamais. Sachant qu'ils lâcheront pas 2,5 millions. Donc non. Saint-Maximin, tu pourrais m'intéresser, mais je pense pas que tu serais intéressé. Ouais, parce qu'il serait bon, ça, Maximin. Au cas où Gradel parte, pourquoi pas. Oh, ils acceptent pour Mokoena, c'est parfait, ça. On pourrait le récupérer en janvier. Sachant qu'en janvier, on récupère aussi... bon, on va te signer comme ça me va. Voyons voir, là. Voilà, Rafinha Abdoulaye, l'ancien Marseillais. Et l'Orienté, d'ailleurs. Pareil, milieu complet. Joue court et simple, c'est très bien. Et ici, voilà. Regardez, il est bon à peu près partout. Donc il va vraiment dépanner. Il rejoint le club pour rien du tout. Donc c'est génial ça. Amiens encore ouais, 1 mois, on va dire. 2 mois pour Danny Maurer, putain. Ok, sur la formation. Alors influent pourrait partir quand on manque de temps de jeu. Mais tu vas jouer, là je vais te faire jouer d'ailleurs. 3G pour U19, donc toi tu passes en équipe réserve, ok. Ok.
Oh, c'est de la Ligue 1, ça? J'ai pas fait gaffe. Ah non, ok, coup de la Ligue. Ah, Monaco qui passe au pénalty. Montpellier éliminé. Olivera, ouais, je suis désolé, mon gars. Je suis vraiment désolé. Ok. Et donc, Marseille est battu Reims. Pas trop de surprises. Ce serait cool que le PSG se loupe, non? Il joue où, le PSG? Ils sont même pas encore en lice, le PSG. Qui est éliminé? Bordeaux est éliminé, ça c'est très très bien, ça. C'est très 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 bien, ça. Ok, bon, alors, Bodigé. Est-ce que meneur de jeu retrait, tu passes, toi? Oui. Donc, non, on va plutôt le tenter comme ça. Bodigé, ouais. On va remplacer notre Hector national par Jen Choji. Moubele Wasgar, là on est bon. Il manque un mec en défense gauche. Si Silla se blesse, j'ai plus de défense gauche en fait. J'ai Goncalves qui est en équipe B, mais. Et toi finalement, je vais te mettre attaque en retrait. Ouais, soutien. Histoire d'avoir un lien par là. Et Boisgard, juste pour voir. Ouais, attaque antérieure, attaque plutôt. Et ici, voilà ce que j'avais oublié de faire. Nos latéraux. Vous restez excentré quand on a le ballon. Vous pouvez monter. Vous centrez en profondeur au second poteau. Vous pouvez centrer davantage. On a du monde. Par contre, vous dribblez moins. Vous tirez moins. Et sur les passes, vous prenez moins de risques. Voilà. Ok. On va faire la même chose ici. Tu montes davantage, tu restes excentré, tu centres en profondeur au second, tu peux centrer davantage, tu dribbles moins, tu tires moins, moins de risques sur les passes. Et donc ouais, Bodigé, tu vas là. Et oui, c'est là qu'il va me manquer un milieu. Non mais garde Bostock alors. On va le faire comme ça. Bodigé, tu vas être un milieu axial défense. Voilà. Après, je pense qu'on est bon. Notre petit Martinez, il progresse. Ah, il commence à progresser. Bah, physiquement, il a des grosses lacunes, mais sur le reste, il devient correct. Ok, je pense qu'on est bon. On peut y aller. Allez, c'est parti. C'est à l'extérieur en plus. Hein. Ouais, c'est ça. Alors. On n'est pas favori pour rien, donner tout et montrer-leur pourquoi. Nervosité, Bodigé. Calme, on a confiance en toi, ça change rien. La défense, je crois en vous. Les attaquants, je crois en vous. Oulala, les mecs sont vraiment super concernés par le match. Ça va, il y a Bosgar qui a gagné en confiance. Bon, après c'est New York, c'est de la Ligue 2. J'ai oublié un truc. J'ai oublié de remettre ça, voilà. Voilà. Bon, je suis pas inquiet pour ce match. Je pense pas qu'il y ait d'énormes dangers. Bostock, il va, ouais, il me faut un milieu centre de niveau Ligue 1. Parce que là j'ai pu en faire tourner qu'un sur les deux. Ça risque d'être juste sur toute la saison. Il suffit qu'il y ait une blessure de 2 mois et j'ai plus de remplaçant en milieu centre en fait. Après à voir, peut-être qu'en janvier il y en aura quelques-uns à droite à gauche dans les grands clubs qui n'auront pas joué. Des jeunes recrutés là. Peut-être moyen de se les faire prêter, je sais pas. Après si j'ai vainqueur, mais ça embête les joueurs prêtés qui sont pas jeunes en fait. Ou que je compte pas récupérer derrière, de les faire jouer. Peut-être faire jouer un mec, c'est pour du moyen ou long terme au minimum en fait. Bon, et c'est le calme plein, il ne se passe absolument rien dans ce match. En tout cas de notre côté, oui, il se passe rien du tout, du tout. On fait des fautes, on a fait 3 fautes juste. Pas folichon non plus.
Alors on va peut-être contrer juste. La phase de transition, on contre. Et relance au-delà de la défense. Quitte à la perdre, si on la perd, autant que ce soit le plus impossible. Bon les gars, vous voulez pas vous réveiller un peu là? Parce qu'on a... Ah si, on a fait un tir cadré, ça va. Ah ça y est, concentré. Ouh, ça se réveille. Et on va arriver à la mi-temps sur 0 action pour le TEF. C'est quand même beau ça. Vous allez prendre un tout petit soufflant les gars, mais alors tout petit. Loin d'avoir apprécié les spectacles qu'on m'a proposé. Moubélé, si tu veux rester sur le terrain. Voilà, ça travaille pas du tout. Bostock, on te connaît, t'as déjà prouvé. On va dire que tu peux faire la différence. Parce qu'après sur le banc, j'ai Almokedem qui pourrait rentrer, Driss Khalid. Vainqueur, bon non. Ouais. Putain les gars, c'est un des rares matchs où vous allez pouvoir jouer. Donc putain, faites mieux quoi. Après l'équipe type, je vais pas pouvoir la sortir souvent. Hein. On n'a pas une marge énorme. Hein. Moubélé, tu vas sortir Moubélé. Allez Martinez, remonte-moi la balle. Allez, monte. Koulouris qui joue son rôle de pivot. Un centre, Boisgard. Boisgard, non, c'est un corner. J'ai redescendu Adil Taoui en U19 parce que bon, finalement il jouait pas. Il a bien dépanné en début de saison quand Grad elle était blessée, mais. Au final, dans les jeunes, il y en a plus énormément. Il y a Khalid, Elmokedem, Boisgard. Bon, il y a Sangaré qui est jeune, mais il a déjà le niveau de Ligue 1, il n'y a pas de problème. Et derrière, non. On va leur en demander plus encore. Vu comme ils sont nerveux, je suis pas certain que ça fonctionne. Si, ça fonctionne bien. Bon. Moubélé, bye bye. Koulouris, bye bye. Tu vas jouer faux 9. Tu vas jouer attaquant intérieur, attaque. Toi, tu vas jouer. Toi, tu vas jouer attaquant. Il y a intérieur, mais tu vas partir de plus bas. Voilà. Et on va leur dire pas de pression, les gars. Voilà, c'est des jeunes. Ça fonctionne bien généralement. Et ouf, le poteau. On a eu chaud. On a eu très chaud. Oui, oh oui, Bostock, magnifique. Magnifique, je crois que c'est Boisgard qui tire le corner. Je sais plus. Oui, passe décisive de Boisgard, parfait. Bon, par contre, ils vont attaquer. Donc, ce qu'on va faire, qu'on va leur dire. On va les féliciter. Parfait, ça leur gonfle. Derrière, j'ai personne que j'ai envie de faire rentrer. Faut vraiment qu'ils profitent, là, c'est leur match. Allez, si là, centre. Non, mais pas aussi loin. Mais centrez-moi ça, ICK. C'est bon, le match est plié. Magnifique. Et Martinez, super passe décisive au passage. Donc ça fonctionne bien, les centres. Un peu en profondeur. Ou j'ai peur. Un peu en profondeur au second poteau. Bon, mais parfait. On va aller encore les féliciter. Super, les gars. Oh là là, ben ils ont attendu vraiment le dernier quart d'heure du match pour se réveiller. Bon après on n'a pas été trop inquiétés non plus, mais bon c'était... Le néant offensif était inquiétant. Putain, 5 minutes d'arrêt de jeu, c'est énorme. Ah ouais, corner pour nous, ça va. Ça va si on la récupère, oui. Allez, Boisgard, le moquet d'Em, Driss Khalid. Dommage, c'est bien tenté. C'est la fin du match à mon avis. Là, tu refais une passe et c'est terminé. Voilà. Fin de la rencontre, 2-0 pour le TEF. Une victoire attendue et une victoire obtenue, c'est super, franchement.
suis très content de ce que vous avez montré. Super, les gars. Vous me faites plaisir, franchement. Et donc, on va se laisser ici pour aujourd'hui. Hop, on se retrouve donc demain pour jouer le match contre Saint-Étienne. Et je regarde s'il y a d'autres... Ouais, donc demain Saint-Étienne, après-demain Nantes, après-demain Bordeaux. Et là, on va peut-être se faire une triplette, je sais pas. Tous les matchs se suivent là, tous les 3 jours on joue. Après c'est de la Ligue 1. Voyons voir, on a le tirage pour... Non. Une finition impeccable, je suis d'accord. On a presque pas tiré, mais ça suffit à gagner. Donc ouais, bon, on se retrouve pour le match contre Saint-Étienne. Voilà, j'espère que cette carrière avec le TF continue de vous plaire. Elle se passe plutôt bien, et je vous dis donc à demain.